Hello! Alors là, je suis trop contente parce qu'apparemment il y a une place qui vient de se libérer à la dernière exposition de Cueva. Et donc je vais voir cet espace. L'ancienne usine Arbed-Mittal entre Esch sur Alzette et Chifflange, qui vit ses derniers jours grâce à cette exposition et qui ensuite va être détruite. Donc voilà, j'ai vu les espaces. Alors ici, on a le premier espace qui est sympathique, mais avec pas mal de luminosité, donc c'est un peu embêtant. Et ici, là au fond, il y aura un teddy bear, une installation. Mais on est face à l'entrée et donc visible. Premier espace, donc là on aurait ce mur-là. Au fond, il y aurait une installation et ce mur-là. Et le deuxième espace se trouve ici. Donc ça, c'est plus sombre. C'est mieux, on peut créer un peu une ambiance. C'est un peu une cave. Et il y a électricité ici. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. C'est un boulot dingue. Je sais pas comment je vais faire, surtout qu'il faudrait que ça soit fait le plus vite possible. Allez, il faut que je me mette au boulot. Ciao! Voilà, donc je suis en train de travailler sur des gabarits pour les œuvres. Avec là par exemple le dessin en crayon. Et puis ici la partie UV qui se révélerait à la lumière noire. On retravaille un peu les images. Parce que la définition ne me convenait pas. Donc là, je suis en train de construire mes modèles. Dans une phase un peu pénible, un peu précise, il faut vraiment coller bord à bord. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur les gabarits. Et c'est long, très long. Et un peu la merde. On va voir comment on s'en sort. Et donc finalement, j'ai choisi l'espace 2. À l'avant. Donc, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est la première fois que je fais une murale. J'ai préparé des trucs. On va voir. Ah, on est sur du carré blanc sur fond gris ou monochrome de White Man.